sauf toi. Va-t'en, mon Dieu. Karine, reste pas là. Karine, va-t'en. Reste pas là. Le commissaire Barr qui s'est occupé de la disparition de Maëna Crozat il y a 2 ans. C'est avec lui que j'ai rendez-vous. Le commissaire n'est pas là de toute la semaine, mais vous êtes attendu par le lieutenant Domange. J'étais là il y a 3 minutes. Asseyez-vous. Il faut sûrement revenir. Merci. Vous pouvez partir vos pompes de là. Merci. Lieutenant Domange ? C'est facile, c'est... C'est écrit sur la porte. C'est toujours sous votre bureau que vous menez vos enquêtes ? Si vous êtes là, c'est que pour moi l'enquête est terminée, d'accord ? Alors permettez, je vais continuer un boulot qui reste à ma portée. Hein ? Bricoler la prise informatique. Vous seriez pas du genre parano ? Pardonnez ? On me refile un banal accident, ok ? Moi, j'en fais un meurtre. Je découvre que c'est un meurtre. Et à partir de là. Merci. Au revoir. Plus besoin de moi. Tenez. Lieutenant Lester. Tout est là-dedans. C'est cool quand même, hein, d'arriver, de trouver le boulot tout fait, tout mâché. Bonne chance. Mais vous n'avez pas identifié le meurtrier ? Bon, d'accord. J'arrête de vous charrier, mais vous, vous mettez votre amour propre dans votre poche et vous m'aidez. Enfin, vous faites votre boulot, quoi. À moins que vous préfériez continuer à bricoler. En musique. À vous de voir. Mais merde. Oh, putain de pays. Il pleut pas si tu vas pleuvoir. Moi j'aurais dû mettre les vieilles. Je le sais, j'aurais dû mettre les vieilles. Qui a retrouvé le corps ? Gilles Bourdin. C'est le moniteur du club de kayak. Enfin bon, tout ça c'est dans mon rapport. Mais j'en doute pas. Parlez-moi plutôt de la victime. Bon, Alain Le Fur, ancien champion de Bretagne de kayak. Bon, à ce niveau-là, il pouvait pas se planter en eau plane. Hein. Sinon, on a découvert qu'il s'était fait tabasser par sa propre pagaie. Sinon quoi, 52 ans, propriétaire d'une entreprise de pâtisserie bretonne pur beurre, marié, sans enfant. Ah bah voilà, en face de vous, c'est son manoir. Non mais ça va pas, non ? Pas mal, hein ? Vieille famille capéroise, moitié cubaini, moitié bien pensant, enfin bien. Selon l'idée du coin, quoi. Ouais, pas votre genre ! Non, pas vraiment, non. Moi je suis né au 4000 à Marseille. Parmi les délinquants, les drogués, les dealers, pas terrible, ouais, mais ici c'est le pays entier qui est pas mon genre. Et il est comment, ce Gilles Bourdin ? Gilles ? Catégorie surfeur, ancien médaillé de kayak Rhône-Alpes, ancien éducateur à Lyon, depuis 3 ans en Bretagne, rapport administratif élogieux, casier judiciaire vierge. Alors, aujourd'hui les enfants, on va travailler l'esquimotage. Hein, ça permet de se retrouver à l'endroit quand votre bateau s'est retourné. D'accord ? C'est pas vrai. Et vous n'avez pas bouclé le secteur ? Ben, il faut arrêter ça tout de suite. Bon, vous vous occupez des enfants et moi je me charge de votre surfeur. Alain, ouais, on se connaissait bien. On parlait souvent kayak. On s'échangeait des techniques et puis il aimait bien raconter ses courses aux gamins, ça les motivait vachement. Mon acolyte
m'a dit que vous aviez vu Le Fur se disputer avec quelqu'un quelques heures avant le meurtre. Un homme pas très grand, un peu chauve. Vous pourriez me le décrire mieux que ça? J'étais assez loin, c'est difficile. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une bagarre? J'en sais rien, les enfants m'attendaient, j'ai pas assisté à la scène, mais le type avait pas l'air cool. Vous pourriez le reconnaître? Peut-être. Ça y est, là, vous avez terminé, là? Parce que moi, je veux bien faire assistant flic, d'accord, mais moniteur colo, c'est pas mon truc, je sais plus quoi leur raconter. C'est un métier, mon pote, c'est sûr. Bon, les enfants, ça suffit, là, j'arrive, hein? Bon, je peux y retourner, là? Attendez, je crois que vous n'avez pas très bien compris ce que je viens de vous dire. Pas d'activité sur le site pendant toute la durée de l'enquête. Comment ça? Mais c'est pas possible. J'ai un stage qui commence la semaine prochaine et des jeunes à entraîner pour le championnat de France. Enfin, explique-lui, toi. Et moi, j'ai un meurtre à élucider. Alors, le passage sur les berges, ça peut effacer les indices. On a passé les rives au point de fin. On n'a rien trouvé. On peut pas, comme ça, interdire les berges jusqu'à perpète, quoi. Mais j'ai pas dit jusqu'à perpète. J'ai dit jusqu'à la fin de l'enquête. Il dit qu'il n'a pas entendu grand-chose de l'engueulade. C'est plausible, puisque c'était un mercredi, et que c'est le jour où il y a le plus d'enfants. Mais si lui n'a rien entendu, peut-être qu'un des mômes aura remarqué quelque chose. Ben vous voyez quand vous voulez. Puisque vous avez l'air d'aimer ça, vous allez nous organiser une petite entrevue avec ces chères têtes blondes. Ah non. Vous voulez un vrai boulot de flic? Alors faites-moi un topo sur les affaires les plus importantes de ces 5 dernières années. Ah ben, ça va pas être compliqué, hein. C'est une petite ville, il se passe jamais rien. Ah, vous trouvez, vous? En 2 ans, une fille est disparue et un meurtre. C'est rien pour vous, ça? J'ai encore droit à une question. Au pont, on en est. Je cherche un petit hôtel de charme pas trop cher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Dites-moi, il y a marqué syndicat d'initiative, là? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je crois que vous avez fait assez de terrain pour aujourd'hui. Alors vous allez rentrer sous votre bureau, et puis pendant ce temps-là, moi, je vais passer chez Madame Le Fur. Ah, Madame Le Fur n'est jamais là le matin. Levée 7h, séance de thalasso, 1 heure de jogging sur le chemin côtier. Ensuite, elle passe à l'usine ou à l'aumônerie, comité d'entreprise, bonnes œuvres, enfin bref. Pour la voir, il faut s'y pointer vers 16h. Merci, Domange. Eh ben, ça commence bien. Oh, c'est pas parce qu'il est mort que les gens ne mangeront plus de biscuits. Et au moins, il nous reluquera plus dans les vestiaires. T'exagères, il nous a jamais rien fait. Sa femme non plus, d'ailleurs. Lieutenant Lester, Joël Ledoux, directeur financier. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé, vous avez raté Madame Le Fur de quelques minutes. Bah, c'est pas grave, j'aurai l'occasion de la rencontrer à un autre moment. J'aimerais voir le bureau de Monsieur Le Fur. C'est-à-dire, j'aurais préféré... On y va? On y va, c'est par là. L'entreprise a doublé ses marges en 2 ans. On mange de la crêpe bretonne d'Amsterdam à Athènes et du Queen Yamam à Séville. La diffusion de la culture bretonne par la pâtisserie. Bien sûr, tout est bio, vous pensez bien. Beurre, chocolat, farine. On utilise les meilleurs produits. Dites-moi, Monsieur Ledoux, un témoin affirme avoir vu Monsieur Le Fur le matin même du meurtre se disputer avec quelqu'un. Un homme pas très grand, un peu chauve. Vous auriez une idée? Non, je ne vois pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est délicieux. Vous savez, Monsieur Le Fur était un homme très calme et très juste. Il s'entendait bien avec tout le monde. Pas de problème avec les fournisseurs, les clients, les employés? Non, je ne vois pas. C'est incroyable. Hein. Voilà un homme qui n'avait aucun ennemi, pas de défaut, et pourtant il se fait assassiner. Monsieur Ledoux, vous pouvez venir voir? Oui, excusez-moi, je vais vous quitter un moment. Oui. Le Fur n'aurait pas du tout aimé que quelqu'un pénètre dans son bureau sans être accompagné. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Je vais devoir emporter l'ordinateur et quelques registres. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? C'est vraiment nécessaire. Ah oui, absolument. Vous descendez l'ordinateur dans ma voiture? Guimard, c'est Ledoux. Fais attention, tes gardes, il y a des flics qui ont débarqué. Ah, il y a
ordinateurs et des registres dans ma voiture. C'est très très lourd. Ça vous ennuierait de les prendre? On ne peut rien vous refuser. Merci. C'est pour moi? Toutes les affaires depuis 5 ans. Vol d'autoradio, chapardage sur des marchés, plainte entre voisins, enfin tout ce que vous vouliez, quoi. Merci, c'est sympa d'avoir fait le tri. En échange, voilà la paperasserie de Le Fur, que je vous confie, et les disquettes informatiques. C'est votre truc, ça, non? Ok, ok, d'accord. C'est la punition qui continue, c'est ça? Arriver en terrain conquis, on se croit tout permis. Bien, bien la méthode. J'aurais préféré m'appuyer sur la vôtre, mais je crains qu'elle ne laisse un peu à désirer. Oh. Casse-couille, celle-là. J'aime bien. Peps, du nerf. Ah ouais? Tenez. Rangez-moi ça quelque part et allez me chercher un café avec du Pepsi du nerf, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai trouvé dans vos dossiers? Sûrement rien à côté de ce que je viens de trouver là-dedans. Ça, ça m'étonnerait, mais dites toujours. Non, non. Non, surprise. Mesdames d'abord. D'accord. Les parents de la petite Maëna, les Croza, ont soupçonné Le Fur d'avoir une certaine attirance pour la petite. C'est inscrit dans leur déposition. Seulement voilà, Le Fur était un notable dans le coin. Alors la police n'a pas trop fouillé de ce côté-là. Vous vous rendez compte pour les parents? Attendez doucement, là. J'y suis pour rien, moi. Il y a 2 ans, j'étais encore à Marseille. Hein. Mais arrêtez votre parano, Domange. Vous n'étiez pas visé. D'ailleurs, j'ai lu votre rapport sur le meurtre Le Fur. C'est clair, intelligent, bien documenté. Sans vous, le meurtre aurait été classé accident. Oh, non, non, c'est du bon boulot. Hein. Je retire ce que j'ai dit sur vos méthodes. Hein. J'ai rapproché les soupçons des Croza des renseignements que vous avez trouvés chez la veuve Le Fur. Le couple faisait chambre à part depuis très longtemps. Et d'après ce que j'ai pu glaner à l'usine, sa réputation de voyeur et d'impuissant n'était plus un secret pour personne. Est-ce que ça voudrait dire que Le Fur aurait eu des goûts douteux? Oh, merde. Bah quoi? Bah, c'était ça ma surprise. Dans son ordinateur, il y a une partie cryptée que j'ai eu du mal à sortir d'ailleurs. Échange de documents avec un site pédophile. Ça c'est mieux qu'une surprise, Domange, c'est une vraie piste. Ouais, une vraie piste qui nous mène directement sur les parents de la petite, qui auraient pu vouloir se venger. Pas de conclusion hâtive. D'ailleurs, je crois qu'on est parti pour remuer pas mal de boue. Heureusement qu'on fait un bon tandem. Je dois dire que j'ai craint le pire. Moi aussi, j'ai eu très peur. Au fait, comme je devais passer au syndicat d'initiative pour un truc, j'en ai profité pour prendre de la documentation. Mais rien de très intéressant, en fait. Moi, je sais où il est votre hôtel. Si vous voulez bien me suivre. Irish tea. Alors c'est comme un Irish coffee, sauf qu'à la place du café, vous mettez du thé. Et Earl Grey le thé, et avec une paille, s'il vous plaît. D'accord. Bah moi, ce sera un demi, hein, tu sais, comme un demi, quoi. C'est très mignon ici, hein. Ouais, hein. Ouais. C'est tout ce que j'aime. Moi, je suis plus style étape pour VRP, hein. C'est vrai, je trouve ça rassurant. Mais bon, j'étais certain que c'était pas du tout votre genre, hein. Enfin, j'étais pas vraiment certain, mais... Bon, ça m'a pris un peu la tête pendant une partie de la journée, ça. Finalement, sous ce bomber se cacherait un jeune homme très présentable. C'est à qui tu me fais penser? Non. La boucle d'or, tu vois? Boucle d'or chez les ours, hein. Et toi, c'est quoi ta vie? Ah, moi, je surfe. Sur Internet. Ah, j'adore ça, j'y passe des nuits entières. En fait, tu vois quoi? Mon rêve, et je l'ai demandé, je voudrais rentrer au service informatique de la police à Paris. Ah ouais? Mais ouais. Oh là là, Madame Le Fur. Il faut que j'y aille. Attends, tu fais les heures sup? Les enquêtes, c'est mon internet à moi. Irish tea à demi. Ouais, c'est les deux pour moi. C'est les deux pour moi.
Bonjour, Madame Le Fur. Je suis le lieutenant Lester. Je vais devoir vous poser des questions plutôt intimes. Asseyez-vous, je vous en prie. Mettez-vous à l'aise. Votre collègue a fouillé toute la maison, jusque dans ma chambre. Alors des détails intimes, vous devez déjà en avoir. Enfin, allons-y. Avec votre mari, vous faisiez chambre à part, n'est-ce pas? Est-ce que ça voulait dire que... Est-ce que nous faisions l'amour, c'est ça que vous voulez savoir? Je vois pas très bien en quoi ça peut aider votre enquête, mais enfin, puisque j'ai promis de coopérer. Mon mari était un homme très religieux. Entre lui et moi, les choses étaient, disons, d'ordre spirituel. C'était un homme pour qui l'âme signifiait tout. Je suis moi-même catholique pratiquante. Il y a autre chose que vous voulez savoir? Vous avez entendu parler de la disparition de la petite Maïna il y a 2 ans? Je vois pas de rapport. Il se pourrait que quelqu'un ait cru que votre mari était pour quelque chose. C'est une idée horrible. C'est complètement absurde. Qui a pu dire une chose pareille? Certains éléments recueillis dans les dossiers de votre mari laissent penser qu'apparemment, il s'intéressait aux enfants. Mon mari avait raison de dire que tout est pourri. La police ne vaut pas mieux que la presse à scandale. Ne comptez plus sur moi. Bonsoir, lieutenant. Madame Croza, Marie Lester et Serpigi Drenne. Mais Serpigi, vous avez des nouvelles? Pas exactement, mais... Dans ce cas, laissez-nous tranquille. Pierre, va dans ta chambre. Écoutez, je suis sur une affaire qui est sûrement liée à la disparition de Maïna. Vos collègues nous ont interrogés comme si on était coupable. Ils ont retourné toute la maison, croisé partout. Ils voulaient même faire sauter le carrelage de la cuisine. Comme si on avait pu faire une chose pareille. Je comprends. Vous avez des enfants. Mais vous ne comprenez pas. Tout ça, c'est à moi. Ils sont beaux, tes jouets, Pierre. C'est une jungle? Maïna aussi, elle en a une. Mais j'ai pas le droit de m'amuser avec. Faut pas qu'elle soit abîmée quand elle reviendra. Pierre, laisse la dame tranquille. Attends, je vais lui montrer. Allez, va dans ta chambre, il faut qu'on parle. Va dans ta chambre! Certains jours, je préférerais savoir que Maïna est morte pour que ce cauchemar s'arrête. Après tout ce temps, plus personne ne croit qu'elle est encore vivante. Mais c'est quand je renoncerai qu'elle mourra pour de bon, vous comprenez? Christian, la police est là. Bonjour, monsieur Croza. Je suis Marie Lester. J'enquête sur la mort de monsieur Le Fur. Tout le monde ne parle que de ça. Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? J'ai des raisons de penser que qu'il y a un rapport entre la disparition de Maïna et le meurtre de monsieur Le Fur. Il y a des éléments nouveaux qui pourraient relancer l'enquête. Votre fille faisait du kayak? Non. J'ai lu dans votre déposition d'il y a 2 ans que vous mentionniez Le Fur. Pourquoi? Je livre du fioul au château pour le chauffage. Maïna aimait bien partir en camion avec moi, alors je l'emmenais. Après sa disparition, on a évoqué tous ceux qui connaissaient la petite de près de loin. Le Fur en faisait partie, c'est tout. Vous aviez remarqué quelque chose entre lui et la petite? Non. Pourquoi? Vous savez, il n'avait pas d'enfant. Alors, il voulait toujours lui offrir quelque chose. Claire! Pierre a disparu. Ma femme.
femme est en train de perdre la tête. Tous les jours, elle va attendre la petite à l'arrêt du car. Là où on l'a vue pour la dernière fois. Elle attend là pendant des heures. Parfois jusqu'à la nuit. Que faisiez-vous mercredi dernier pendant la matinée? Je livrais, comme tous les jours. Alors c'est pour ça que vous êtes venu. Vous en avez rien à foutre de retrouver la petite, hein? Tout ce qui vous intéresse, c'est de coincer l'assassin de Le Fur. Et vous croyez que c'est moi qui me suis vengé? Je suis à votre disposition. Mais qu'est-ce que vous attendez? Passez-moi les menottes si vous avez peur que je m'échappe. Je repasserai. Au revoir. Ces gens-là ont déjà tellement souffert. Je les crois coupables. Elle a l'air complètement déconnectée et elle peut pas s'imaginer que sa fille soit morte. Lui, il est pas très net, mais il a un alibi. À vérifier, hein. Ah, à propos de vérification, j'aimerais qu'on lance des recherches dans la propriété des Le Fur. Tu penses quand même pas y trouver le corps de la petite? Je préférerais qu'on trouve rien du tout. Ça voudrait dire qu'elle est peut-être encore en vie. Ouais, mais ça va pas plaire à la veuve, ça. Il faudra une commission rogatoire. Tu t'en charges. Ok, ouais. J'ai peut-être une autre piste qui pourrait plus plaire. Un type dégarni, pas très grand, il s'appelle Guimard. C'est le mec qui s'engueule avec Le Fur. D'ailleurs, il attend dans le bureau. Tu l'as retrouvé comment? Oh, très simple. C'est le patron de la coopérative laitière qui fournit la boîte à biscuits de Le Fur. Il correspond signalement. Hein. Et selon l'agenda de Le Fur, ils avaient rendez-vous ensemble le jour du meurtre. Mais je t'ai fait un petit dossier. Hein. Tu sais que tu vas vraiment finir par me plaire, toi? Ouais. Tiens. Merci. Pourquoi toutes les quantités de beurre bio que vous fournissez à l'entreprise Le Fur sont-elles marquées de rouge sur le livre de compte? Bah, j'en sais rien, moi. Asseyez-vous. Il y a un point d'interrogation après chaque livraison. Et alors? Pourquoi vous aviez rendez-vous avec Le Fur ce matin-là? J'y suis pas allé. Pourquoi? J'ai eu un pépin avec ma voiture. Vous avez la facture de la dépanneuse ou du garage? Non, j'ai réparé moi-même. Quel était l'objet de ce rendez-vous? On devait renégocier notre contrat. Rien que ça? C'était un drôle d'endroit pour une négociation aussi importante. Vous savez, Le Fur, il s'encombrait pas avec ce genre de problème. Hein. Il nous donnait lui-même les endroits où on devait aller, on devait se démerder. Admettons. Et vous, au lieu de vous démerder pour assister à cette réunion apparemment importante, vous faites de la mécanique? Ah ben oui. Va falloir trouver autre chose, monsieur Guimard. Oui. Oui, j'arrive tout de suite. Vous n'avez pas envie d'un petit café? Ah oui, je veux bien. Pardon. Cours. Oui, et sucré, s'il vous plaît. Attendez-moi un instant. Non, je ne sais pas du tout qui c'est, mais je l'avais déjà vu deux jours plus tôt en compagnie de Le Fur. Il discutait. Alors? C'est celui qui a une casquette. Vous en êtes sûr? Certain. Très bien. Vous pouvez rester encore un moment? Vous m'avez mis au chômage, alors... Alors? Ah. Vous avez réfléchi? Oui, mais j'ai rien de mieux à vous dire, moi. Eh ben, dans ce cas, je vais vous mettre en garde à vue. La mémoire vous reviendra peut-être en cellule. Mais vous n'avez pas le droit. Mais enfin, j'y suis pour rien, merde. Mais je vous ai déjà dit que j'y suis pour rien. Ça l'affaire, n'est-ce pas? On puisse s'en prendre à des gosses pour ça me révolte. Fallait voir l'état de son père. Vous le connaissez? Il est venu me poser des questions sur Le Fur. Quel genre, les questions? Les mêmes que vous. Comment il était avec les enfants, etc. Et ça remonte à quand? Ça, je sais plus, ça fait un moment déjà. Plusieurs mois, peut-être. Pourquoi vous n'en avez pas parlé plus tôt? J'y pensais plus. C'est en voyant la petite. Bon, on en reparlera. Merci de votre aide. Au revoir. Au revoir. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Mais tant pis, je préfère encore laisser une chance à Crozat. Donc, pour le moment, on fonce sur la piste Guimard. Alors, tu vas aller à la coopérative, quota de production, analyse de produits, etc. Eh ben voilà, c'est reparti. Mes pompes vont encore sortir la bouse. Le lait, Domange, le lait. Et bio, en plus.
Bien, bien. Bio, bio. Merci, les enfants. Vous pouvez y aller. Vous avez appris quelque chose? Non, rien, hélas. Gilles, pourquoi Karine n'est pas venue? Elle est malade. Ah bon, je savais pas. Qui est-ce, Karine? Karine Boyer, elle a 8 ans, la petite est souffrante en ce moment. Elle était pas là le jour du meurtre, c'est pour ça que j'ai pas cru bon de vous en parler. Laissez-nous qu'on traite comme des coupables. C'est intolérable à la fin. Je vous remercie, monsieur le procureur. Je savais que je pouvais compter sur vous. À très bientôt. Arrêtez ça immédiatement! Vous n'avez pas le droit! Un problème, madame Le Fur? Oui, il y a un problème, et maintenant il y en a un pour vous aussi. Je viens de parler au procureur Ménard. C'était un grand ami de mon mari. Vous devez arrêter ça tout de suite. Écoutez, madame Le Fur, je comprends que vous cherchiez à protéger la mémoire de votre mari. Il y a les parents d'une petite fille qui attendent de savoir. Ils vivent un enfer. Alors, entre les deux, mon choix est très vite fait. J'ai obtenu une commission rogatoire du juge d'instruction. Je suis dans mon droit. Les fouilles continueront. Vous ne perdez rien pour attendre. Elle mange plus, elle fait des caprices. J'y comprends plus rien. C'est pas toujours facile d'élever une enfant quand on est toute seule. Mercredi dernier, elle est allée au kayak. Oui, comme d'habitude. Elle voulait pas, mais comme je travaille le mercredi, faut bien que je la laisse quelque part. Je peux la voir? Je vous aurais prévenu. Karine? Karine? Bonjour, Karine. Karine, la dame a des questions à te poser. Karine! Je crois qu'il vaut mieux que vous nous laissiez. C'est drôle, ta poupée, quand j'étais petite, j'avais presque la même. Elle s'appelait Sophie. Et la tienne, elle s'appelle comment? Fais du kayak avec toi? Ah non, bien sûr. Elle sait pas nager, elle pourrait se noyer. T'aimes bien aller au kayak? Pourquoi t'as peur? Quelqu'un t'a fait du mal là-bas et c'est pour ça que tu veux plus y aller, c'est ça? Ta maman t'a conduite là-bas mercredi dernier. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es cachée parce que tu voulais pas aller au cours. Tu peux me le dire, tu sais, je te gronderai pas. Personne ne saura, ça sera notre secret à toutes les deux. Je restais dans le garage, j'avais mal au ventre. Et tu as vu quelqu'un là-bas? Regarde ces photos. Est-ce que tu as vu ce monsieur? Et celui-là? Et celui-là? Tu es vraiment sûre? Pourtant, il était là-bas mercredi dernier, comme tous les mercredis. Et je sais que tu le connais. Karine, c'est vraiment très important. Si ce monsieur est méchant et qu'il t'a fait du mal, il faut que tu me le dises. Ce monsieur t'embêtait et quelqu'un est venu pour l'en empêcher, c'est ça? Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mon chéri, c'est rien. C'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sûre que Karine a vu quelque chose. Ces marques sur son bras, comment vous les expliquez? Elle m'a avoué se les être faites avec la pointe d'un compas. Mais qu'est-ce que je vais faire d'elle? Il faut vous faire aider d'un psychologue. Un psychologue? Votre fille va mal, Jeanne. Elle est prisonnière d'un souvenir dont elle doit se libérer. Et moi, je suis à la recherche d'un criminel. Il faut que vous m'aidiez. Il
Il y a 2 ans, une petite fille a disparu, on l'a jamais retrouvée. Cette affaire est sûrement liée au crime auquel Karine a peut-être assisté. Son témoignage est capital. Un psychologue saura lui parler et entendre ce qu'elle n'arrive pas à nous dire. Bon, Le Fur essaie de s'en prendre à la petite Karine au club pendant que les autres font du kayak. Il est surpris par Croza, qui le suit depuis un certain temps. Et en voulant en sauver l'enfant, Croza tue Le Fur. Oui. Ou alors c'est Guimard. Il est déjà sur place, il surprend la scène avec la petite Karine et il intervient un peu trop brutalement. Guimard, comme Croza, avait des raisons de frapper un peu trop fort. Oh mon Dieu, faites que ce soit pas Croza. Deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Laquelle tu veux d'abord? La mauvaise, au point où j'en suis. Bien, j'ai vérifié le carnet de circulation de Croza. Il y a un truc d'une heure dans son emploi de temps. Oh merde. Il prétend qu'il dormait dans son camion. Mais c'est possible. Étant donné les horaires que font les transporteurs, ils peuvent bien se reposer une heure ou deux. Marie. Quoi? Ah, c'est pas parce qu'on est flic qu'on peut pas avoir des sympathies. Bon, annonce plutôt la bonne. Je crois avoir une petite piste à propos du conflit Le Fur-Guimard. Ah? Guimard fournissait beaucoup plus de beurre bio que la coopérative ne pouvait en produire. Vous ne voulez rien dire. Alors c'est moi qui raconte. Le Fur ne voulait que des produits bio. Et mais voilà. Où trouver autant de lait bio? La plupart des éleveurs en sont encore aux anabolisants et du jour au lendemain, on leur demande de fournir une grande quantité de lait bio. Les vaches, elles redeviennent pas naturelles comme ça. Alors vous truquez un peu. Avec la complicité de Ledoux. Oh bah lui, il était intéressé aux bénéfices, alors forcément, il poussait à la production. Il refilait des petites enveloppes au service vétérinaire pour qu'il ferme les yeux. Quand Le Fur s'est aperçu de vos petites magouilles, il a voulu dénoncer votre contrat, voire vous dénoncer tout court. Et vous l'avez tué. Mais non, je l'ai pas tué, enfin, faut me croire. Je l'ai déjà dit, on s'est engueulé, c'est tout, mais je l'ai pas tué. Marie, procureur au téléphone. Oh merde, c'est un copain de la veuve. C'est pour vous, lieutenant. À l'instant, monsieur le procureur. Oui, allô? Comment? Bon, j'arrive tout de suite. La petite Karine Boyer n'est pas rentrée chez elle. Aïe. Bon, t'appelles les unités et tu demandes du renfort à la gendarmerie. Faut absolument la retrouver. Ok, et le prog? Oh, tu laisses tomber. Attends, Marie, il peut te dessaisir. Ben justement, raison de plus pour te bouger. J'ai déjà appelé toutes les amies de Karine. J'ai refait la route de l'école plusieurs fois, rien. Mais c'est pas possible. La police et la gendarmerie sont à sa recherche. Il faut attendre maintenant. Elle a peut-être fait une fugue. Oh, Gilles! Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Jeanne, calme-toi, calme-toi, Jeanne. Calme-toi, on va la retrouver. Pas de nouvelles? Non, pas pour le moment. J'espérais qu'elle pouvait être avec toi, comme tu devais nous emmener chez la psychologue, mais j'arrivais pas à te joindre. Je l'ai pas vue depuis hier soir. Marie-Lester, j'écoute. C'est pas Karine? Sûr. Le corps là depuis environ 2 ans, ça peut être comme elle. C'est pas possible. Mon mari peut pas faire ça. Tout le monde peut passer ici, y a pas de clôture. N'importe qui peut l'avoir enterré là. Finalement, je la plains. Ah ouais? Bon, Croza. Il va falloir le mettre en garde à vue. Bah attends, l'urgence c'est de retrouver Karine. Bon, j'ai eu la psy, elle va nous rejoindre. Elle pourra peut-être nous aider. Ouais, ouais, peut-être. Hélas, les signes que vous décrivez, le refus de la nourriture, l'automutilation, font plus penser à une enfant qui a vécu un événement dont elle a honte. Et étant donné le contexte d'agression de mineurs... Elle aurait pu en être victime. Si Le Fur était son agresseur, celui qui l'a tuée aurait enlevé Karine parce qu'elle a peut-être assisté au meurtre. Alors écoutez, je connaissais un peu Alain Le Fur, c'était un des donateurs de mon association de handicapés. Bien sûr, je peux me tromper. Mais je n'imagine pas cet homme passant à l'acte. Et les photos d'enfants sur le site pédophile d'Internet? Oh non. Tout dans son comportement montrait son désir de résistance. Le carcan moral, son extrême rigueur, les interdits qu'il s'imposait. Mais alors,
Si c'est pas lui le pédophile, c'est peut-être lui qui a surpris un individu avec Karine. Et c'est ce même individu qui vient de l'enlever. Mais alors pourquoi seulement maintenant? Parce qu'il était sûr d'elle. Vous m'avez dit que les symptômes de la petite ont commencé? Oui, il y a environ 2 mois. Ça veut dire que l'homme a eu le temps d'installer une vraie relation avec la petite et qu'il a inventé un système de pression pour qu'elle se taise. Si tu parles, ta mère mourra, par exemple. Vous voulez dire que c'est quelqu'un qui connaît bien la petite? Ah, c'est hélas souvent le cas. Et votre arrivée représente soudain une nouvelle menace. Domange, c'est Marie. Épluche-moi le cas de Gilles. Disparition de fillette quand il était à Lyon, mœurs douteuses, etc. C'est urgent, hein? Oui, merci. Bonjour. Je vous attendais pas. Vous avez laissé Jeanne Boyer toute seule? Sa sœur est venue la rejoindre. Et vous cherchez pas la petite? Les gendarmes sont déjà partout, alors... Je dois fouiller chez vous. Simple vérification. Allez-y. Oui, quand on fait des jeux de kayak, il y a des récompenses pour les gagnants. Ça les motive davantage. Bien. Je vais vous laisser. Si vous apprenez quelque chose, vous n'hésitez pas à m'appeler. Comptez sur moi. Pierre. Monsieur Crozat, il y a un doute sur le Führ. C'est peut-être pas lui qui a tué Maïda. Vous pensez toujours que c'est moi qui l'ai tué? Mais en me trompant de cible, hein, c'est ça? Normalement, je devrais vous mettre en garde à vue. Mais ma nouvelle hypothèse me fait penser que vous n'y êtes pour rien. Alors en attendant qu'on vérifie, je vous demande simplement de rester chez vous. Ne vous inquiétez pas, je vais pas m'enfuir. Tout ce que je vous demande, c'est de faire tout ce que vous pouvez pour sauver la petite Karine. Marie-Lester, j'écoute. Ah, Domange. Et ça s'est passé à Lyon? Cette fois-ci, on le tient. Écoute, je vais y aller tout de suite, hein. Ça sera moins risqué s'il a la petite. Et toi, tu te ramènes avec du renfort. Discrètement, hein. Oublie pas de prévenir la psy. Ouais, d'accord. On a retrouvé l'assassin, monsieur Crozat. Tu veux manger quelque chose? Bon, je vais te préparer quelque chose, hein.
très dangereux pour la petite. Elle est consciente? Faites confiance à Marie, elle prendra aucun risque. Viens, Karine. Je te prépare un petit sandwich. Tu veux pas? Karine. Karine, écoute, je te dis. Ça fait un moment que je frappe. Vous m'entendiez pas? Karine! Vous l'avez retrouvée? Où est-ce qu'elle était? Elle était sur les bords de la rivière. J'allais vous appeler. Tu vas bien, ma chérie? Tu sais que ta maman t'a cherché partout. Allez, maintenant, on va te ramener chez toi. Hein? Oublie pas ta poupée. Maintenant, tu vas courir tout droit jusque là-bas. Il y a des gens qui vont s'occuper de toi. Allez! Expliquer certaines choses, monsieur Bourdin. Moi sur 3 et 4. Moi sur 3 et 4. Pas intervenir. Qu'est devenue la petite fille qui a disparu en Isère après un de vos cours de kayak? Qu'est-ce que vous racontez? Ne niez pas, j'ai demandé un rapport au SRPJ de Lyon. On l'a jamais retrouvé. En revanche, on vient de retrouver le corps de la petite Maïna quelques centaines de mètres plus bas. Et coïncidence, le FUR qui a très bien pu vous surprendre avec la petite mercredi dernier. Est mort lui aussi, pas très loin d'ici. Alors vous allez m'accompagner au commissariat pour... Pantouflard, t'as eu ta dose d'émotion. Ouais. Ouais. Mais tu vois, ce qui me tue là, c'est mes pompes là, tu vois, elles sont niquées maintenant, elles sont niquées, voilà. Allez, une petite douche? Ouais, une petite douche. Ouais. On va à ton hôtel? Dis donc. Attends, s'il te plaît, tu penses pas que. En tout cas, tout honneur. Lieutenant Domange? Ouais. Ah! Je suis venue te dire au revoir. Ça y est? Il a signé ses aveux? Ouais. Pour Madame Le Fur, l'honneur est sauf. Son mari a été lavé de tout soupçon. C'est un héros, tu veux dire, ouais? Tu vas voir qu'ils vont lui élever une statue à celui-là. De toute façon, je m'en fous, moi. Ce jour-là, je serai plus là pour le voir. Et je verrai pas non plus le procès de Guimard, de Ledoux et toute leur magouille. Tu démissionnes? Non, mais depuis ce matin, je suis connecté au fichier central de l'administration de la police. Et ça, je te le dois, non? Va savoir. Uh-huh. Bonne chance, Domange. J'étais très contente de faire équipe avec toi. Et toi, tu m'as bluffé. Hein. C'est quoi ta nouvelle affaire? Un week-end à la mer. Toute seule? T'aimerais pas le genre de mon hôtel. Uh-huh.